Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en deux temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation. Et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le Tarot de Marseille revisité par Frédéric Hagid, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du Tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Les lions, c'est parti pour le tirage relationnel. Allons voir ça. Le chariot. Très bien, le chariot nous indique une avancée, une victoire, une réussite dans quelque chose. En tout cas, il semblerait que les choses progressent, puisque le chariot nous donne déjà une dynamique positive de la situation. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage, avec l'état d'esprit du partenaire. Alors, l'état d'esprit du partenaire du lion. Ok, 6 de pentacle. On a ici un partenaire qui deux options. Soit cherche à mettre quelque chose à l'équilibre, hein, il cherche à régler et à équilibrer sa vie pour que la relation avec vous avance et fonctionne. Ou alors, on a un partenaire ici qui fait preuve de générosité. Alors, la générosité, elle peut être sur plusieurs aspects, puisque c'est effectivement du pentacle. On peut imaginer une générosité matérielle, mais dans un tirage relationnel, on va appliquer le domaine au thème hein, pour lequel on fait le tirage. Donc, pour moi, ici, un 6 de pentacle dans un relationnel, on pourrait imaginer un partenaire qui vous consacre du temps, qui partage des choses avec vous, qui est dans une générosité, voilà, dans l'envie de partager avec vous. Donc, on a plutôt une bonne dynamique chez le partenaire et ce qui peut justifier effectivement que les choses avancent. On va aller voir, vous, comment vous vous sentez dans cette relation. De pentacle. Alors oui, effectivement, on a une belle dynamique entre le chariot, un 6 de pentacle avec un partenaire qui semble être disposé à y mettre du sien, et le 10 de pentacle, vous qui avez l'intention ou l'envie de construire, de sécuriser, d'arriver au bout. Hein. Le 10 de pentacle, c'est le 10 en général, de toute façon, c'est l'aboutissement de la suite, hein, de la suite soit du pentacle, soit de l'épée ou autre. Et donc, on a quand même quelque chose qui est abouti, qui est construit et qui est solide. Hein, pour le coup. Donc, vous avez tous les deux l'envie, visiblement, d'avancer vers quelque chose de constructif. Parce qu'on est quand même dans le denier. Même si on est dans le sentimental, on est dans quelque chose qui est concret. Ok, on va aller voir ce qui a dépassé. Je suis tentée qu'il y ait un problème. Allez. Qu'y a-t-il à dépasser dans cette relation? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça peut être les débuts un peu en fanfare. Alors, je m'explique, parce que c'est tout à fait valable aussi si vous êtes en relation depuis un moment. Peut-être que vous êtes sur un projet, quelque chose que vous mettez en œuvre ensemble et qui semble démarrer un peu sur les chapeaux de roue ou qui vous exalte beaucoup, hein, où on a une avancée qui est vraiment significative, j'ai envie de dire. Et là, on vous dit, bah, ce qu'il y a à dépasser, c'est le démarrage. C'est-à-dire que cette situation qui commence, ma foi, fort bien, est-ce qu'elle va pouvoir perdurer dans le temps? Est-ce que ce que vous avez mis en place, là, récemment, visiblement, et qui semble porter ses fruits, va pouvoir tenir sur la durée? L'as de coupe, c'est vraiment, est-ce que ça va maintenir, est-ce que ça va se maintenir? Est-ce qu'on va pas être que sur l'impulsion du début? Et puis, il y a un autre aspect aussi, qui est à prendre en compte, c'est le côté de l'indépendance de chacun. Est-ce que ce projet, ce vers quoi vous tendez, respecte chacun de vous dans son autonomie et dans son indépendance? Ça, c'est une question que je vous soumets. À vous de voir si ça répond ou non à ce questionnement. On va aller voir ce qui peut vous aider. Allez, les atouts. Le 4 de bâton. Ok.
Donc, on a ici en positif des bons moments, des choses très très sympathiques à vivre, des expériences positives, des moments agréables, un vrai plaisir à partager. Donc, je pense qu'on a un partenaire ici qui a vraiment envie d'être généreux, sous une forme ou sous une autre, parce que ici, on voit que ce 4 de bâton qui est positif dans la relation nous dit qu'il y a, y a du positif quand vous êtes ensemble, il y a du positif qui sort de ce lien. Sous la forme que vous voulez, même si vous êtes un couple qui vivez avec des difficultés et que c'est pas forcément très facile sur le plan, on va dire, intime, on a quand même une base qui semble être solide avec l'envie réciproque de faire les choses, d'aboutir à quelque chose. Maintenant, on a soit les débuts en fanfare qu'il faut dépasser, soit l'indépendance de chacun. Et encore une fois, je redis, le début en fanfare, ça peut être le début d'un projet. Votre couple peut être très vieux, c'est pas le problème, hein. Donc, ce qui va vous aider, c'est de partager des moments, de partager ces moments sympathiques comme vous savez les faire tous les deux. Alors, on va aller voir la carte qui va nous donner une indication sur ce dont il faut se méfier, ce qu'il faut éviter, ce qui va peut-être porter des entraves. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, ce qu'il vient nous dire quand c'est en négatif, c'est que on a un trop gros détachement, trop grand détachement. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas assez. Le roi de Pentacle en positif, il vous dit que voilà, vous avez atteint un niveau qui est convenable et que vous pouvez ne plus vous en soucier. Donc on a une sorte comme ça de détachement du roi de Pentacle en positif qui est une bonne posture à avoir quand il est bien aspecté. Sauf que là, on vous dit, c'est justement ce dont il va falloir se méfier. Et donc ce détachement peut ne pas vous faire remarquer les choses qui viennent peut-être mettre des grains de sable ou qui pourraient mener à l'échec sur du long terme. Quand je vous dis que ce qu'il va falloir dépasser, c'est le démarrage en fanfare aussi, c'est pas pour rien. C'est que peut-être ce projet, il est très bien, ou ce projet ou cette relation, elle est très bien là maintenant. Mais est-ce que vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour aller plus loin? Et est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de réouvrir un peu les radars, hein, de ce qui pourrait venir mettre la pagaille ensuite. Ça me fait vraiment penser à ses défauts. D'ailleurs, je pense beaucoup à ce sketch de Florence Foresti qui dit qu'au début, on adore quand le type nous joue de la guitare, on trouve ça super sexy et qu'au bout de quelques mois ou années, on a envie de lui casser la guitare sur la tête parce qu'on n'en peut plus d'entendre ses trois accords. Eh bien, si vous voulez, ici, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, soit c'est la relation en elle-même, comme je le disais, c'est ce début de relation qui semble avancer assez vite et il faut voir si on n'est pas en train de se voiler la face sur des choses qui, dans le temps, vont pouvoir un peu gangréner la relation. Ou alors, si vous êtes sur un projet de couple qui existe depuis longtemps, est-ce que cette nouvelle façon de faire ou ce projet-là va être vivable, en continu, dans le temps, dans l'avenir? Hein? Est-ce que vous n'avez pas cette tendance à ne pas vouloir voir les défauts du projet ou de la relation par rapport à ce que ça va donner dans le temps? Parce qu'effectivement, ce qui vous aide, c'est l'instant présent, c'est d'être dans ce qui est sympathique à partager dans l'instantané. Mais j'ai un peu peur que vous penchiez un peu trop de ce côté-là et que vous oubliez le côté prévoyant, plutôt pas prévisible, prévoyant de la chose. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Alors, bien évidemment, ce que je viens d'expliquer, c'est ce dont il faut se méfier. Je ne dis pas que ça va à l'échec. Je dis juste que ça, on vous dit, avec cette carte-là, on vous dit attention quand même, ne soyez pas non plus complètement aveugle, ne vous détachez pas de tout. Il peut y avoir aussi d'autres choses sur lesquelles vous vous détachez par rapport à cette relation. Et c'est juste une carte parmi le jeu. Globalement, vous avancez, vous progressez, il y a des choses à dépasser, mais vous avez du positif et on va aller voir les intentions. Mais jusque-là, le tirage est quand même positif. Allez, l'intention du partenaire. Bah oui, cavalier de coupe, regardez. Le partenaire, lui, il a des sentiments, il a l'intention de les dévoiler, de les dire. En tout cas, ce qu'il fait, hein, toujours pareil pour les couples peut-être de longue date, s'il va pas venir vous déclarer sa flamme, puisque vous êtes déjà ensemble et que voilà, il vous le fait régulièrement. Le cavalier de coupe veut dire que
Les choses que l'on va mettre en œuvre, on le fait avec cœur, on le fait parce qu'on est guidé par ses sentiments, par ce que l'on ressent pour l'autre. Donc c'est une très belle carte d'intention, puisque ça veut vraiment dire j'ai l'intention d'œuvrer dans notre relation parce que je t'aime, parce que j'ai des sentiments pour toi, parce que j'ai envie, je suis poussée par mon cœur et mes sentiments à faire des choses constructives et positives. Donc c'est plutôt pas mal comme carte d'intention chez le partenaire, hein. Si vous n'êtes pas encore ensemble, les choses devraient bien avancer sur ce mois de mai, hein. Vous, votre intention, 3 de pentacles. Vous avez bien l'intention de faire valoir votre position. Vous voulez de la reconnaissance, hein. Votre intention, c'est de ne pas... Justement, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ça, c'est un risque. Mais globalement, vous en êtes un peu protégé par le 3 de Pentacle. Peut-être que c'est plus le partenaire qui va être impacté par ce que je disais tout à l'heure. Parce que vous vous êtes tellement préoccupé par faire reconnaître vos besoins, vos qualités, ce que vous avez à mettre en œuvre, que vous n'allez pas rater l'autre, en fait, si je peux me permettre. Hein, vous n'allez pas passer sous silence la moindre vexation, la moindre chose qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc, on a effectivement un partenaire qui veut faire des efforts, mais qui va peut-être ne pas voir les choses qui pourraient lui signaler que il faut réajuster. Mais ça, bon, vous verrez. Ça serait intéressant, du coup, d'aller voir le tirage du signe, hein, de votre partenaire. Mais en tout cas, il a l'intention de vous déclarer sa flamme ou il est dans une dynamique positive, muée par ses sentiments. Vous avez un besoin de sécurité et de reconnaissance. Ok. On va aller voir là où vous en serez à la fin du mois. La tour. Bon, les lions, vous avez un abonnement à vie à cette carte. Quel que soit le jeu de tarot que j'utilise, je crois qu'il va falloir que je... Si j'avais le temps, je regarderais tous les tirages que j'ai faits depuis que j'ai démarré cette chaîne et je compterais le nombre de fois que vous avez sorti la tour. Je crois que vous seriez les champions de toute catégorie. La tour, il va y avoir quelque chose de surprenant à la fin du mois. Alors, je vais la recouvrir parce que comme ça, ben, je peux pas vous dire. Voilà, on sait qu'il va y avoir une prise de conscience ou qu'il va y avoir un événement qui va bouleverser les choses, mais dans quel sens? Positif ou négatif? La tour ne donne pas toujours cette indication. Elle a très mauvaise réputation. C'est une carte qui en général évoque la catastrophe. Ce n'est pas l'approche que j'en ai, ce n'est pas la compréhension que j'en ai faite durant mes recherches. C'est vraiment juste la chose inattendue qu'on ne pouvait pas prévoir et qui vient bouleverser les plans. Alors, on va la recouvrir pour essayer de voir si... Page de coupe. Bon, alors, il y a effectivement, à mon avis, une attitude du partenaire que vous n'attendiez pas. Ici, j'ai quand même le 6 de pentacle, le cavalier de coupe et le page de coupe. On a un partenaire qui, à mon sens, va vous surprendre par ses actes. Et ces actes guidés par des sentiments. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est mis en lumière à la fin du mois. Et c'est positif puisqu'on a le page de coupe. D'accord. Et vous allez probablement pouvoir obtenir reconnaissance et sécurité. Maintenant, attention, ça semble être un début ou quelque chose d'assez fulgurant. Il faut se méfier. Hein. On a des cartes d'intensité dans ce tirage. Quand je dis il faut se méfier, certains vont dire oh, bah, on peut profiter aussi. Oui, bien évidemment. Profitez, prenez. Les émotions intenses, tout ça, c'est très positif. Et d'ailleurs, vous voyez bien que profiter, c'est ce qui est le plus, on va dire, c'est ce qui vous est conseillé. Hein, c'est ce qui va aider le plus la situation. Mais j'ai toujours dans mon coin de la tête ce petit roi de pentacle qui me dit attention quand même, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut se méfier et notamment sur le fait que ça puisse durer. Bon, on va aller voir les conseils. Ça va nous donner des indices. Roi de bâton. Ok, donc on est vraiment dans l'affirmation. Alors, soit vous avez vécu des situations par le passé qui vous ont vraiment bridé, où vous n'avez pas été reconnu, pas entendu, et c'est hors de question que ça recommence pour vous maintenant, parce qu'on a ici quand même l'intention de se faire reconnaître et entendre. Hein. Donc, on vous dit, bah oui, faites valoir ce dont vous avez besoin. 9 de bâton, sortez de votre zone de confort. Et la troisième, on va aller voir.
Eh bien, le 10 de bâton, voilà, que du bâton, affirmation de soi. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est aussi en lien avec le lion, hein. Donc, là, c'est retrouver votre essence profonde et personnelle qui est vraiment l'affirmation de soi. Vous êtes quand même le signe qui représente ça. Et là, on vous dit, bah, sortez un peu de votre zone de confort, hein, parce que vous avez probablement d'autres aspects chez vous qui font que vous avez peut-être envie de conciliation, comme vous avez envie de plaire ou envie d'être reconnu. Vous pouvez faire des sacrifices ou des concessions. Là, on vous dit, bah non, il va falloir vous affirmer tel que vous êtes. Il va falloir déposer un certain fardeau, sortir de votre zone de confort, affirmer vos besoins, les dire avec, bien sûr, une bienveillance à l'égard de l'autre. Mais il semblerait que vous récoltiez des démonstrations affectives. Maintenant, le challenge qu'il va y avoir sur le mois de mai, c'est est-ce que ça va durer, est-ce que ça va tenir? Voilà. Mais globalement, on a des avancées, il y a des prises de conscience, il y a des mises en lumière. Je dis bien ça parce que c'est positif. La carte que j'ai mise sur la tour est positive. Elle nous dit qu'il y a des choses du cœur qui sont annoncées, il y a des messages qui vont arriver. Donc, à mon sens, on a un partenaire qui se dévoile, qui se livre, qui semble être, oui, démonstratif. Démonstratif de ses sentiments. J'ai pas d'autres formules à vous proposer. Bon, voici pour vous les lions sur ce mois de mai si vous êtes en couple. Si vous vous arrêtez là, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les coordonnées dans la barre d'information juste en dessous. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications des prochains tirages. Et de plus, ça aide la chaîne à se développer. Donc, je vous en remercie. Pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail sur elle-même dans ce domaine. Alors, on y va. Tirage célibataire ou vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. La maison Dieu, l'arcane 16. Quand je vous dis que c'est votre signe qui me l'a sorti le plus de fois, je crois que j'ai même plus besoin de compter, hein. Ce que vous voulez vraiment. Eh oui, bon, c'est cohérent. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais, Moxie. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Eh ben oui, celle-ci, elle est évidente. L'issue à court terme, génial. Et à plus long terme, oh, alors là, les lions, autant vous commencez, c'est bien, parce que finalement, ici, comme c'est une approche psychologique, la maison Dieu ne veut pas dire une catastrophe, elle parle de prise de conscience, hein. Ici, ce tirage, il nous parle de comment vous vivez les choses. Si on était sur une analyse de fait, ça pourrait être le coup de foudre. Le coup de foudre, vous savez que la maison Dieu peut aussi représenter ça. J'aime pas trop l'interpréter de ce côté-là parce que c'est quelque chose d'assez rare et dans les guidances personnalisées, je trouve que c'est pas trop trop justifié de dire ça. Mais là, on a quand même une maison Dieu, le monde et l'arcane 6, ok? On a une roue de fortune. Mis à part ici, pourquoi ça ne marche pas et c'est tout à fait cohérent, je vais vous l'expliquer. C'est un tirage très 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 positif. Donc, la maison Dieu va nous parler de votre état d'esprit qui est de vouloir comprendre, de vouloir mettre en lumière des choses. Vous avez envie de prendre conscience et vous avez envie de comprendre. Donc ça, déjà, c'est super parce que quelle que soit votre situation d'avant, vous vous dites maintenant, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Pourquoi au niveau de mes relations affectives, ben, soit ça finit toujours mal, soit je n'arrive pas à en créer, peu importe votre situation, vous avez envie de comprendre le mécanisme qui vous amène là où vous en êtes aujourd'hui. Et ce que vous voulez, c'est faire bouger les choses positivement. Vous voulez faire avancer la roue, vous ne voulez pas retomber dans les mêmes schémas, hein. Donc ces deux cartes-là, elles sont vraiment tout à fait cohérentes, dans la même dynamique et dans le même sens. Vous voulez prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans vos façons de faire ou de mettre en œuvre vos relations ou d'essayer de mettre en œuvre vos relations pour faire évoluer la situation. Alors, si ça fonctionne, si vous y arrivez, on est tout de suite sur la carte du monde et sur la carte des amoureux et donc on vous dit, bah oui, forcément, grande ouverture, réalisation et rencontre. Parfait. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'y arrivez pas, la raison, c'est le soleil inversé. Tout simplement parce que vous ne savez pas où chercher, vous ne savez pas par quoi commencer et vous manquez de confiance en vous. Le soleil inversé, c'est je n'y vois pas clair, c'est confus, je ne comprends rien. Donc là, vous devez vous dire, bah, ok, j'ai envie d'explorer mon inconscient, j'ai envie d'explorer mon rapport à l'affect, mais je commence par quoi?
Je fais quoi? Est-ce qu'il faut que je lise des choses dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut que je consulte un thérapeute? Mais si je consulte un thérapeute, quel type de thérapeute? Vous avez cette impression d'être face à une nébuleuse et impossible de savoir dans quelle direction aller. Et d'autre part, vous manquez de confiance en vous pour révolutionner votre façon de faire. Alors, ce qu'il va falloir faire, ben oui, c'est attaquer un changement profond et radical. C'est-à-dire que quoi que vous ayez déjà fait avant, si ça n'a pas porté ses fruits, vous rayez de la liste. Vous vous dites, bah voilà, j'en sais rien, je vous donne un exemple, hein, parce que vous connaissez mon point de vue si vous me suivez, je pense que chaque technique a des correspondances avec des personnes. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises techniques. C'est vraiment celle qui vous parle et quelque chose qui va fonctionner avec quelqu'un ne va pas fonctionner du tout avec quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc, c'est juste un exemple. Vous avez fait 10 séances d'hypnose pour vous débarrasser d'un truc et vous n'y arrivez toujours pas. Eh bien, l'hypnose n'est peut-être pas l'outil qu'il vous faut. Donc, à ce moment-là, va falloir aller essayer autre chose. Alors, j'en sais rien. Le Reiki, les soins énergétiques, le MDR, le psychiatre, j'en sais rien. Peu importe. Vous choisirez une autre technique. Mais vous allez changer sur les deux plans. Vous allez changer de façon de faire. Donc, changement radical et profond dans la méthode. Et vous allez opérer un changement en vous également. Parce que parfois, d'insister sur une méthode qui ne fonctionne pas, c'est se donner bonne conscience. Alors je dis ça parce que je crois que tout le monde le fait à un moment donné. Là encore, mon propos n'est pas de juger ou de vous dire que ce que vous faites c'est mal, parce qu'on a tous à un moment donné des agissements dont on n'est pas fier ou qu'on n'aurait pas voulu avoir. Mon seul but est de vous amener matière à réfléchir et de voir si ça peut vous aider à cheminer. C'est vraiment le seul objectif. Mais parfois, on se dit, bah, je vais chez un psy ou je fais telle thérapie, mais bon, pour l'instant, ça marche pas. Bah, ça donne bonne conscience. On se dit, on fait quelque chose, mais en même temps, bah, on met une petite défense. Là, on se dit, on veut pas aller par là. Et on veut pas aller par là parce que c'est douloureux, parce que c'est pas facile d'aller rechercher les choses qui nous ont blessés ou qui nous ont construits de cette façon. Le travail intérieur, il est jamais évident, mais je crois qu'à un moment donné, on peut peut-être se poser la question, est-ce que je suis en train de mettre en échec le travail personnel que je fais sur moi avec une méthode qui visiblement ne fonctionne pas? Je pense que vous pouvez vous poser la question. Maintenant, je ne dis pas que c'est votre cas. Si ça se trouve, vous avez essayé une ou deux fois l'hypnose parce que, bah, effectivement, peut-être qu'une fois ça suffit pas. Il faut persévérer un peu dans une méthode pour lui laisser sa chance. Et puis là, on vous dit, bah, écoutez, vu que ça n'a pas fonctionné, essayez autre chose. Alors j'ai pris l'hypnose, désolée, je veux pas stigmatiser l'hypnose, c'est une technique qui fonctionne très très bien pour plein de choses, hein. C'était un simple exemple. Donc là, si vous voulez, ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est changer à la fois comment vous faites, comment vous vous y prenez pour aller vers cette prise de conscience et cette mise en lumière de ce qui est caché, et à la fois bah, aller transformer profondément ce qui est ancré en vous, hein, c'est-à-dire un fonctionnement qui ne vous permet pas de mettre en œuvre de nouvelles façons d'agir. Quoi qu'il en soit, vous êtes gagnant à faire ça, puisqu'ici on a un double combo, hein, qui est le monde et les amoureux. Donc déjà, vous avez un aboutissement, vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une belle réalisation personnelle et une belle ouverture d'esprit, et ensuite on a la vie affective et amoureuse au premier plan et on a la rencontre. Donc les célibataires ou toute personne en train de travailler sur elle-même, il y a là quelque chose à aller dénicher dans les profondeurs, vous ressentez que vous avez envie d'aller déloger. Hein, ce dernier bastion-là qui vous empêche de changer la donne, eh bien, allez-y, mais changez de technique. Celle que vous avez fait, et encore une fois, je dis bien ça pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, car si vous êtes en processus et que ça fonctionne, ne changez rien, allez-y, vous allez directement vers le monde. Seulement, si ça n'a pas fonctionné, changez de technique, allez voir une autre façon de travailler sur vous. Faites-vous confiance, vous y verrez plus clair, il faut bien commencer par quelque part, approchez-vous de la nébuleuse, hein, c'est comme dans le brouillard. Ici, j'ai envie de dire que finalement, quand on est face à ce brouillard et qu'on ne voit pas ce qu'il y a à 2 mètres, ben, on voit bien que dans le brouillard, si on fait un pas, un pas, un pas, ben, on avance, on finit par voir ce qu'il y a au bout de son pied. Même si on n'a pas la perspective, on avance quand même. Et puis, ben, on voit que si on dévie de la route, on est dans le chemin de terre ou on est dans le fossé et on arrive à se réajuster. Donc ici, il va falloir que vous posiez le premier pas, que vous alliez de l'avant, même si vous ne savez pas où ça va vous mener, parce que clairement, ça vous mène à une belle réussite émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous les lions. Bah écoutez, profitez de ce mois de mai qui va être probablement riche
en brassage intérieur, mais qui vous amène quand même à une super belle réalisation. Donc profitez-en, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Pour les guidances personnalisées, vous avez le lien juste en dessous, soit mon adresse mail, soit mon site. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, merci de cliquer sur le petit bouton rouge et j'aurai le plaisir de vous retrouver chaque mois pour les guidances générales et sentimentales. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.